Salut à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Et ouais, on se retrouve pour une vidéo. Alors Minecraft. Il faut savoir que. Oula, attendez, je vais baisser un peu le son de. Du home cinéma. Et oui, je me paye le luxe de jouer avec un home cinéma, ouais. En fait, voilà, on va jouer à Minecraft. Ça va être ma première vraiment vidéo officielle Minecraft sur ma chaîne YouTube. Comment dire? Bah écoutez, on va créer un nouveau serveur. On va y jouer en survie, donc avec les monstres et tout ça. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Minecraft, donc m'en veuillez pas si je mets un peu de temps, mais logiquement, ça devrait aller assez vite à construire notre première protection, nos premiers machins et tout. Voilà, sur ce, bah on va y aller, donc je fais jouer. Voilà, donc accepter, bien sûr. Donc jouer. On va créer un nouveau serveur. Ça, ce sont mes serveurs déjà, donc Nouveau Monde et serveur PvP. Créer un nouveau monde, on va l'appeler, YouTube Monde. YouTube World, plus précisément. Ouais, je sais dire World. Voilà. Mode de jeu, survie, difficulté, on va laisser en facile, hein. Ça a rien d'aller en extrêmement difficile. Ensuite, on va choisir un pack de textures. Un pack de textures que j'aime bien, moi, c'est le pack de textures ville urbain, je crois. Le fantasy est pas mal aussi. Non, on va prendre le pack de textures urbain, ville, voilà. Allez, on lance le jeu. Donc, jeu en ligne, bien sûr. Si jamais il y a des amis à moi qui veulent nous rejoindre, on sait pas, on sait pas, on sait pas, hein, on sait pas. Plus d'options. Ben non, pas plus d'options. Créer un monde, c'est parti. Et donc, il va falloir que l'on découvre dans cette vidéo. Je vais essayer de vous faire un petit peu découvrir le jeu au début, déjà, d'une. Et secondo, bah on va voir. Peut-être que je ferai plusieurs épisodes. Peut-être que j'ai des amis à moi qui vont venir bientôt. Peut-être que je mettrai le casque, que vous entendrez leur voix et tout, machin. Voilà, peut-être, peut-être, peut-être. On sait pas. Peut-être vous, hein, qui regardez la vidéo, si vous voulez venir, je joue sur PS4, bien sûr. Si vous avez une PS4, que vous avez le jeu Minecraft, bah écoutez, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas ne. Pourquoi ne pas ne pas ne pas ne pas ne pas ne pas venir jouer avec moi? Ça me dérangerait pas. Alors, on va commencer par récupérer du bois de chêne. Alors déjà, on commence dans les marais, c'est plutôt pas mal les marais, parce qu'en fait, dans les marais, quand on joue en mode survie, il y a les blobs qui apparaissent. Et donc du coup c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors toujours, je coupe toujours mes arbres à fond. Comme ça, ils disparaissent. Et je suis tranquille. 2 secondes. Pause. Donc voilà. Alors, on va commencer à construire un atelier, bien sûr. Toujours construire un établi en premier. Voilà. Allez, Ah mais c'est pas mon skin ça. C'est pas mon skin. Ce n'est pas mon skin. C'est pas mon skin, c'est pas le skin avec le skin que je joue. Voilà, le blanc mon skin. Voilà. Voilà, le docteur. Parce que I'm the doctor. Allez, c'est parti. On avance, on y croit. Où est-ce qu'on va pouvoir construire? Regardez là-bas, il y a un biome désert. Là, j'ai un biome. Oh, je suis plutôt pas mal placé là pour le serveur. C'est plutôt pas mal, plutôt pas mal. Oh, il y a plein de petits lapins en plus. Bah écoutez, je crois qu'on va se poser ici, hein. On va rester dans le biome là. Et on va se poser là. On va défraîchir un peu tout ça. Et on va commencer. Alors on a le à côté là, ça va être cool pour faire les pistons collants plus tard et tout. Ça va être plutôt pas mal. Alors, ce que j'ai décidé de faire dans ce serveur, c'est tout d'abord construire une petite maison histoire de se protéger. Tout d'abord. Voilà. On va dans les outils. Alors, il nous faut une hache, une pelle, une pioche. Une fois, on part tout de suite. Merde. Récupère ta hache. Putain, comment je jouais à ça à l'époque? Ah si, propagation du feu.
Non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est là. Et le temps que je m'y remette, hein. Voilà. Oh, puis attendez, j'ai encore oublié une chose de plus important. Ma map. Voilà, vous voyez là, on voit bien la différence. Il y a trois biomes, hein. Il y a le biome désert, le biome des plaines. Là, il y a le biome, je sais plus comment il s'appelle. Récupère ta carte, tête de. Voilà. Alors, on va commencer par de la pierre là-bas. On va commencer par miner de la pierre. Pour commencer à faire une structure de base en pierre de notre maison. Et bien sûr, du charbon. Pour faire des torches, ce qui est plutôt important. Y a pas mal de charbon là, ouais, je suis plutôt pas mal placé. Hein. Quand on regarde bien, je suis plutôt même très très bien placé. Pour une zone de départ. Attendez, la difficulté, je l'ai mis en normal ou en facile? Ah, je l'ai mis en facile, je crois. Comment je fais? Attendez. Aide options, paramètres. Option du jeu. C'est pas ça. Oh, c'est pas. Ah non, option facile, je crois qu'il n'y a pas encore les monstres. Il me semble que c'est à partir du mode normal qu'on a les monstres. Mais ça fait, comme je vous dis, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft. Donc du coup, je ne me souviens plus. Bon, écoutez, première vidéo, on va rester en facile. J'activerai les monstres pour la seconde vidéo. Et on verra par la suite. Hein, pour activer les monstres, partir en chasse, tout ça. Là déjà, on va déjà construire. Alors, vous attendez pas à voir chez moi des vidéos comme toutes les vidéos Minecraft quasiment qui traînent sur le net où des petits gosses, oh, on va construire un super truc. Alors, effectivement, ils construisent de superbes trucs, hein, ces petits gosses, ils construisent des choses de ouf. Mais voilà, c'est en mode hop, on vole dans les airs et tout machin. Moi, je vais vous faire voir un peu comment je joue et on va construire des choses de ouf. Mais je vous jure, des choses de ouf, mais de ouf. Où on va partir dans les nuages là-haut, construire sur des petites plateformes comme ça. Et je vous jure, ce n'est pas des conneries. Par contre, c'est bizarre, c'est pas le. Ça me paraît pas être le mode que j'utilise d'habitude, celui-là. Enfin bref. Alors attendez. Voilà. Faut que je me remette. Faut que je me remette. Si c'est celui-là, c'est ce mode-là, hein, c'est bien ça. Hop. Pioche en pierre. Comme ça, quand on aura fini la pioche en bois, on utilisera de la pioche en pierre. On va récolter de la pierre. Ah oui, bye. Non, c'est bon, les monstres sont activés vu que j'ai la bouffe. Ouais, il va falloir que je chasse du cochon, de la vache, tout ça. Du mouton, là, par exemple. Voilà. Une vache. Elle est partie où la vache? Elle est là. Voilà. Une autre vache. Ah, je confonds avec mes autres jeux où il faut appuyer sur R3. Hop, pour avancer. Vous allez me dire, ouais, pour l'instant, Finen, t'as rien foutu, t'as rien branlé. Ouais, bah, je sais, ouais. Finen. Ah, attendez, comment je faisais? Déplacement rapide, voilà. Ça fait bizarre, je vous jure, de reprendre le jeu après quelques mois d'inactivité. Ouais, c'est bon, c'est bon. Puis vous voyez, tout en haut, ça me remet les explications. Non, attendez, combustible, charbon, bœuf cru.
Ah oui, c'est vrai, parce que j'utilisais le super foie. Alors ensuite. Ah non, c'est bien le mode que j'utilisais. Ouais, c'est bien ça. Bon. On va continuer à récupérer de la pierre. Donc si je perds de la vie, donc c'est normalement il devrait y avoir les monstres. Par contre, niveau bois ici. Ah si, là-bas. Ah, il n'y a que les marais. Je suis bien au niveau des biomes, par contre, pour la forêt, il y a de la montagne. Ah si, là-bas, il y en a plein. On va aller récupérer un peu de bois. Ah, il veut pas monter. Merde, j'ai mis où mon truc, c'est là. Ah, attendez, ils sont les torches. Non, ça c'est les leviers, les torches de redstone, c'est pas là. Torche de bois. Voilà. Alors on définit une zone. Et c'est parti. On va récupérer de la pierre. En fait, je veux faire une base en pierre de ma maison. Du bois et ensuite remettre, vous savez, une sorte de maison à colombage en fait. Voilà, ça c'est ce que je veux faire en fait. Je me trompe de bout de temps. Voilà, 31 pierres. Alors, on va commencer par faire le coin là. Alors les pierres pour l'instant sont brutes hein, mais on les changera plus tard hein. Ça va être le coin cuisine. Alors attendez, 1 2 3 4 5 6. Donc 1 2 ah merde, 2 3 4. Et là, on va fermer. Voilà. Déjà, on fait ça. Pour l'instant, c'est pas grand-chose. Vous allez me dire, ouais, c'est pas top, Finen et tout, machin. Tu fais de la merde et tout. Ouais. Mais attendez de voir dans les prochaines vidéos et tout ce qu'on va faire. Attendez de voir. Je vais vous faire voir après sur mes autres serveurs ce que je fais. Et toujours en mode survie. Hein. J'ai toujours joué en mode survie. Et vous verrez ce que c'est que prendre son temps. On va construire le coffre. De la laine, ouais, on met dedans. Du cuir, on met dedans. De ça, on met dedans. De ça, on met dedans. Ça reste là. Ça reste là. Ça reste là. Ça va là. Ça va là. Voilà. Et ensuite, ici. Voilà, je commence à reprendre mes habitudes. Et voilà. On va manger. Voilà. Et ensuite, on va aller tuer le cochon qui est là.
faut pas trop s'éloigner parce que c'est la nuit. Et si jamais j'ai des zombies qui se pointent ou autre, parce que c'est bizarre que je perde de la vie, de la bouffe, qu'il n'y ait pas encore les monstres. Il me semble qu'en facile, il n'y a pas les monstres, mais ouais, on perd la bouffe, il me semble. Je me souviens plus exactement. On verra bien, hein. Ce qu'il y a, c'est que je vois où j'ai mis ma maison. Voilà, on va déblayer autour. Pour qu'on la voit de loin. Ah, vous voyez, il y a du zombie. Donc non, c'est bon, on va rester comme ça, il y a du zombie là. De la viande avariée, ça c'est bon ça. Faut la garder, faut la mettre de côté, c'est pour faire des pièges ou je sais plus quoi. Oh mon dieu, il y a du squelette là-bas et tout. On va peut-être... On va peut-être rien faire pour l'instant. Oh, il y a un creeper là-bas. Alors les creepers, c'est simple, hein, quand ça vous court, courez. Faut pas que je meure. Il faut pas que je meure. Il faut pas que je meure. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je tout bouge, laisse comme ça et puis je me défends? Ouais, on va passer la nuit à se défendre. On va rester dans cet environnement. Alors les lumières sont faites pour éloigner justement les monstres. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête la machine. Je sais pas si vous l'entendiez, mais j'avais une machine dans ma cuisine qui... Et ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous voyez, tous les... Là-bas, là, tous les... Tout ce qui bouge. Ça pullule. Ah, ah, oh. Ah, ah, oh. Il m'a repéré, lui. Il a l'air d'avoir une armure sur lui. Un revenant sans problème la lumière du jour. S'il vous attaque, vous allez avoir faim. Oh oui, putain. Oh la vache. Oh la vache, c'est bon, je l'ai tué, c'est bon. Ah, il y a une mise à jour ou quoi depuis la dernière fois que j'ai joué? Parce que la vache, ceux-là, ils n'existaient pas avant. Ça, une chose, c'est que quand on marche dans Minecraft en mode facile, votre bouffe ne diminue pas. Donc l'avantage, c'est qu'il faut marcher en fait. Quelques torches. Hop, putain, une araignée. Vas-y, viens par là, toi. Viens par là, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Oh yes, du fil. Je vais pouvoir faire une canne à pêche. On survit comme on peut. On survit. Hey, oh, les gens, j'ai une idée pour me protéger. Et là, vous allez me dire, Finen, pourquoi tu n'utilises pas ta torche? C'est vrai. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre du sable. Merde. Hop, ce sable. On le met là. Et on va se faire un mur de sable en attendant, comme ça les monstres ils vont pas pouvoir rentrer. Voilà. Et je vais en profiter donc pour faire mon petit message. Merci donc déjà à toi si tu regardes cette vidéo et que tu en es déjà arrivé jusqu'ici. Merci à toi nouvel abonné qui vient d'arriver sur ma chaîne et qui reste abonné, c'est vachement cool parce que des désabonnés j'en ai eu pas mal. Et bien sûr, bah merci de me suivre hein, toujours et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à cocher la petite case de façon à ce que vous sachiez quand je publie une nouvelle vidéo et également bah, à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je sais pas ce qu'il y a d'autre, moi je n'utilise que Facebook malheureusement. Ah non, j'utilise un petit peu Twitter aussi. Donc voilà, n'hésitez pas et merci à vous quand même d'être là dans mes vidéos.
Voilà, donc maintenant on va continuer, on va essayer de trouver un autre endroit. Malgré le fait que la nuit, là, le soleil devrait pas tarder parce que voilà, la lune descend. Donc le soleil ne va pas tarder à se lever par là. Ok, donc le soleil se lève derrière les montagnes. Alors rassurez-vous, hein, le mur de sable, il va disparaître, hein, quand on va aller chercher. On va aller chercher du bois. Ah non, il y a des squelettes, moi j'ai pas. Ah la vache! Ah la vache, c'est un zombie! C'est pas grave, ça nous fait de l'XP. Voilà, le ciel, le soleil arrive. Donc, tout ce qui est squelette et tout ça, ils vont tous cramer. Oh mon Dieu! J'espère qu'il m'a pas vu. Je vous jure, j'espère qu'il m'a pas vu. Non, c'est bon, il a pas l'air de bouger. Voilà, ça s'ouvre là-bas. On va aller voir. Il semble que là-bas, voilà, il y a des arbres. Ah voilà, là il y a un arbre. Après, vous allez me dire, oui, mais Finen, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, hein. Ils vont me dire, oui, mais Finen, tu pars vachement loin chercher tes arbres et tout. Ça va te faire loin de plus en plus loin. Ben non, parce que les arbres, les gars, je vais en planter, hein, rassurez-vous. Il suffit juste que je chope des. De quoi en planter, et puis voilà. D'ailleurs, ça se tombe, j'en ai peut-être déjà. Non, ça, c'est juste des graines. Ce sont pas des pousses. Voilà, en voilà une de pousses, vous voyez. Une pousse, la plupart du temps, je plante un arbre, il pousse, ça me fera 3 pousses, et ainsi de suite, et je vais pouvoir faire ma forêt spéciale derrière de récolte de bois. Oh, je me trompe à chaque fois de bouton. Voilà, et là, les monstres, ils ont crevé. Eh, il y a un cheval. Il y a un cochon là-haut. Ah, il y a pas mal de. Je crois que je vais pouvoir me faire une bonne petite mine par ici. Mais d'abord, priorité oblige, on finit de faire la maison. Ah, le creeper, il est toujours là. Alors. Donc, on va aplanir le terrain ici. On a plani, on a plani, on a plani. Et on va mettre un arbre ici. Un arbre ici. Voilà, déjà. Ensuite, donc le bois. On va déjà remplacer. Le sable et on va remettre du bois et des fenêtres déjà. Alors pour ceux qui ne jouent toujours pas à Minecraft, comment fabriquer du verre? Alors l'avantage, c'est que ça se rapproche vraiment de la réalité, c'est que regardez, je vais récupérer ceci et je vais cuire du sable. Et le sable, quand on le chauffe, il se transforme en verre, messieurs, dames. Oui, très bien, vous avez très bien répondu. Et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau. Alors ce que je fais au début toujours, je fais juste les angles en bois et les encadrements de porte.
Parce que le reste, ça va être des vitres. Ça va bien éclairer la maison. Et du coup, comme ça, je peux faire... Déjà commencer à faire mes autres angles. Vous voyez, ça commence déjà à faire un effet maison. Et là, j'ai déjà 3, 4 verres. 4 verres que l'on va transformer en vitres. Ah non, il en faut 6. Autant pour moi. Ça fait longtemps. Et comme ça, les monstres ne pourront plus venir m'embêter dans ma maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Donc, j'ai déjà 16 vitres. Pour l'instant, ce n'est qu'un semblant de maison, hein, qui va être bien agrandi par la suite, je vous rassure. Si je peux pas me faire une petite épée là pour combattre les monstres ou un arc. Non, il me manque une corde pour un arc. Où est-ce que c'était les épées? C'est là-bas. Une épée en pierre pour combattre les monstres. C'est bon, il n'y a pas de monstres, ils ont disparu. Ils ont disparu, oui. Un œuf, ça c'est bon. Oh, un cochon. Voilà, comme ça on récupère plus de viande. Hop, on va continuer à récupérer de la pierre. Vous voyez mes arbres à côté, comment il a déjà poussé? Ça pousse très vite, oui, très très vite ça pousse. Et du coup, on va pouvoir aller le tailler. Ah ouais, c'est un gros. Il va falloir que je monte dedans. Non, ça va, il a pas l'air si haut que ça, je peux le faire d'ici. Donc en fait, un arbre ne disparaît que quand vous avez enlevé toutes les planches, tous les morceaux de bois comme ça dedans. Voilà, si vous avez retiré tous les morceaux de bois comme ça de l'intérieur de l'arbre, les feuilles vont disparaître et laisser place à des pousses et autres. Les feuilles vont commencer à disparaître et je crois que c'est le cas là d'ailleurs. Ouais, il me semble que j'ai terminé de récolter du bois. Voilà. Donc... On a récolté du bois. Du bois que nous allons transformer en dalles pour faire le sol. Oui, par contre, dans Minecraft, nous avons. Ils n'ont aucune. Aucune. Conception réelle vraiment de la pesanteur. Quand vous voyez qu'un coffre comme celui-ci tient en apesanteur, c'est que effectivement il y a des petits défauts, mais ce n'est pas un défaut réel en soi. On peut dire qu'il est accroché au mur. Voilà. Yes, on n'a plus de pelle, c'est parfait. De toute façon, on commence toujours avec du bois pour finir avec de la pierre ou même des matériaux en fer. Hop. Alors le seul souci, vous voyez, c'est que là, je vais péter ici et la porte va disparaître. Boum. Voilà. Mais c'est pas grave, on va la remettre, hein, on l'a récupérée, donc on va pouvoir la remettre. Et après, on va peut-être pouvoir commencer à faire du minage. Et je vais vous apprendre comment faire une mine optimisée. Une mine optimisée pour ceux qui ne savent, qui commencent à jouer à World of Warcraft, j'allais dire, à Minecraft. Et qui désirent choper du diamant, choper
des trucs en quantité assez suffisante, on va dire, pour commencer à faire des armures en diamant, des armes en diamant, des pioches en diamant, tout ça, et ben je vais vous apprendre comment on fait. Ouais, c'est... Attendez, 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 attendez. C'est quoi que je viens de voir sauter, là? Il semble avoir vu un truc sauter. Ah, ça devait être la vache, là-bas. On cherche le bois, ici. Voilà, hop. Allez, c'est parti. On va récupérer les pousses, la pomme, les pousses, les pousses, les pousses. Ouais, c'est bon, il disparaît. Alors. Chaque fois, je les laisse tomber, ça m'énerve. Voilà. On remet le charbon là-dedans. Non, on va récupérer le charbon. Et on va fabriquer des torches. Voilà, 49 torches. On va refabriquer du bois. De pioches en pierre. Et j'ai pas fait de pelle, mais c'est pas grave. Alors la mine optimisée, on va la faire, on va la faire, on va la faire. On va la faire partir de la maison, de l'extérieur de la maison. On va aller chercher de la pierre, on va rajouter une pièce à la maison pour faire le départ de la mine optimisée. Par contre, il va me falloir pas mal de bois ou de pierre. Non, de pierre, je vais faire les escaliers en pierre. Donc là, on va déjà miner pas mal de pierres à la surface et ensuite on va faire la mine optimisée. Je vais vous faire voir comment ça marche. Ce qui est plutôt avantageux parce qu'on va peut-être pouvoir commencer déjà à choper des matériaux assez sympas directement. Directement comme ça. Par contre, il va commencer à faire nuit. Voilà, on a récupéré assez de pierres pour l'instant. Vous voyez, j'ai fait un arbre et des pousses sur un seul arbre, j'en ai récupéré déjà 8. Voilà. Et l'entrée de la mine optimisée va être là sur... Oh là, oh là, oh là, oh là. On va la mettre là sur la gauche. On va se mettre ici. Vous voyez, là, il est derrière. Il peut pas m'attaquer. Je suis protégé dans ma maison. Qu'est-ce que tu veux? Fais ta benacle. Tu peux rien me faire. Donc, voilà. On va attendre un petit peu. Je vais vous expliquer comment fonctionne. Je vais essayer de vous expliquer avec des mots avant de vous faire voir avec des images comment fonctionne une mine optimisée. Vous prenez. Je vais me décaler un peu et on va faire. Je vais essayer de faire. Je vais voir pour vous incruster un truc ici. Vous prenez un carré de 3 cases sur 3 cases. Voilà. Vous prenez ce carré. C'est une base. Et ce carré. Vous allez descendre le plus profond possible dans le jeu jusqu'à atteindre une couche noire qui s'appelle du netherrack. Non, c'est pas le netherrack. Le netherrack, c'est dans le nether. Enfin bref, une pierre noire que l'on ne peut pas casser, qui est la limite, mais la limite du jeu, en fait, du terrain. Une fois arrivé à cette pierre noire, vous allez regarder sur votre carte. Je vais vous faire voir là tout de suite sur la carte. Vous avez des coordonnées. Vous voyez, X, Y, vous voyez, il y a des coordonnées. Donc Z qui est le déplacement horizontal, Y qui est le déplacement vertical, et X qui est également le déplacement horizontal. Alors, quant à Y, vous êtes arrivé à la pierre noire, vous regardez le chiffre. Et si ce chiffre est souvent est compris entre 0 et 4, vous allez ensuite mettre des blocs sous vos pieds, d'accord? Et avec ces blocs sous vos pieds, vous allez monter jusqu'à ce que ce soit le chiffre 7.
Alors, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 9. Moi, je prends de 7. Arrivé à 7, ça sera votre base. Vous allez rester toujours à 7, au fond. Et vous allez creuser devant vous de 5 carrés en hauteur. Donc, vous allez creuser à 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, vous aurez 5 carrés de haut. Et ces 5 carrés de haut, ou 4, hein, ça dépend. Moi, je fais le 5. Vous les faites sur 7 de large. Donc, là, les centrales, donc là où vous êtes. Et ensuite, vous taillez 3 à droite, 3 à gauche. Et vous avancez comme ça, vous faites un couloir qui avance comme ça, vous voyez, donc je vais vous expliquer, un couloir qui avance comme ça. Là, entre mes doigts, c'est l'allée centrale, qui avance comme ça, qui avance comme ça. Et vous allez choper la plupart du temps diamant, machin, ça. Et une fois que vous allez arriver, vous faites ça sur peut-être 30-40 blocs. Et ensuite, vous prenez un des deux côtés, une paroi. Et non, le mieux, c'est de faire ça de 4 de hauteur. Je me suis trompé, 4 de hauteur. Et vous allez faire des petits couloirs latéraux. Dans ces petits couloirs, c'est là que vous allez choper un max. Vous allez commencer à faire deux petits couloirs, deux cases. Vous voyez, en bas, au niveau du sol, vous faites deux cases. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, jusqu'à ce que vous atteigniez la lave. Dès que vous atteignez de la lave, boum, vous arrêtez, boum, vous bloquez, vous mettez des blocs de blocs, vous revenez en arrière. Et tout ce que vous avez chopé, donc vous ne récupérez pas encore les ressources que vous croisez en route, hein. Vous les récupérez au retour. Vous mettez des torches pour vous éclairer et vous les récupérez au retour. Et ensuite, une fois que vous avez fini celle-là, vous n'avez plus qu'à clôturer donc cette galerie. Vous la clôturez par une pierre différente de la pierre du mur. Comme ça, vous savez que cette galerie-là, elle est clôturée, ou alors vous mettez même une torche dessus pour dire celle-ci, on l'a faite. Et là ensuite, vous allez décaler de 2 vers la gauche, enfin vers la droite ou la gauche, ça dépend par où vous partez. Vous décalez de 2 en avançant plus profondément. Mais au lieu de faire 2 latéraux à droite, vous montez de 2 en hauteur. C'est-à-dire que vous ne les faites pas au niveau du sol, mais vous les faites 2 en hauteur. Vous mettez 2 petits escaliers. Et comme ça, vous faites pareil, même rangée, jusqu'à temps de lave et ainsi de suite. Le fait de faire ça, 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 vous voyez, tac, tac, de faire des décalés comme ça en quinconce, vous allez récupérer 100% de toutes les ressources autour de votre couloir central. À la hauteur de votre couloir central, donc 6, 7, 8, 9, 10, enfin 6 et 11 en fait. Vous allez récupérer 100% des ressources. Et la plupart du temps, vous allez récupérer des diamants, vous allez récupérer de la redstone, du lapis lazuli, enfin, tout ce qu'il y a de ressources de valeur, vous allez récupérer. Un petit conseil, le diamant, quand vous en croisez, laissez-le et creusez autour. Quand vous allez avoir une salle d'enchantement, je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo comment faire une salle d'enchantement optimisée, vous pourrez, à ce moment-là, faire un enchantement sur vos pioches. Et dès que vous avez une pioche avec fortune 3, fortune 4, vous attendez, hein, bien sûr, vous allez choper le diamant. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Au lieu de taper un bloc de diamant, vous allez avoir un diamant. Avec fortune 3 ou 4, si vous tapez un bloc de diamant, vous pouvez récupérer 4, 5, 6 diamants peut-être. 3, 4, 5, 6 diamants. Et ce qui est équivalent, c'est que ça vous multiplie quand même le nombre de diamants récupérés sur un seul bloc. Et donc voilà comment faire une mine optimisée et comment l'optimiser à fond. Par contre, c'est un travail fastidieux, fastueux, fastidieux, fastueux, je sais pas comment on dit, mais c'est vraiment le mieux pour récupérer des ressources, que ce soit charbon, lapis lazuli et tout ça, quoi. Donc voilà, c'était le petit conseil de Finen. Maintenant, est-ce que le jour va bientôt se lever? La lune, elle est où? Ah, elle est encore haute, la lune. On va essayer de commencer à travailler pour la mine. Donc regardez, ce que je vais faire, moi je vais prendre ça. Vous voyez, je prends de 4 de profondeur. Comme ça, je mets 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, voilà, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop, hop! Ça, c'est un creeper. Faut pas qu'il explose près de chez moi. Boum! Vous voyez, ça a explosé. Alors ça, quand ça explose, je peux vous dire une chose, ça peut faire très très mal parce que ça peut vous tuer d'un coup. Je l'avais pas vu, le creeper. Il n'y avait pas un squelette là? Putain, il y en a un autre là-bas. Donc alors attendez. 1, 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est là.
Ah merde. Oh putain, il y en a un autre. On se casse. On recule. Voilà, bon bah il a pété là, il a pété là, c'est pas grave. On rebouchera les trous plus tard. Voilà. Donc on va péter ça. Et on va faire l'entrée de la mine optimisée ici. On va lui mettre une porte. Avec les portes, je les ai mis là. Voilà. Comme ça, l'entrée de la mine optimisée sera ici. Et en fait, voilà, je vous explique. Vous vous souvenez que je vous parlais de 3 sur 3. On va se faire une petite pelle. Et je peux pas me faire de pelle. Ah si, c'est bon. Alors normalement, si j'ai bien calculé, j'ai... Ah merde, ouais, non, j'ai mal calculé mon coup, mais bon, c'est pas grave, on va le faire là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, ça fait un carré de 3 sur 3. Et ce carré, on va le descendre au maximum. Par contre, pour ça, il faut prévoir un maximum de torches, un maximum d'escaliers, parce qu'il va falloir remonter. Mais le mieux, c'est pas de faire des escaliers, c'est de faire des échelles. Pour remonter tout droit. Par contre, ça peut être très dangereux. Alors par contre, les échelles, ça se fabrique, voilà, avec du bois. Il me faut beaucoup de bois pour faire des échelles. Oh, un Thunderman. Allez, là-bas. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Ah bah oui, je suis mort, oui. N'est-ce pas, on réapparaît. Je me suis fait tuer par l'Enderman, ma maison est là-bas. Je vais aller récupérer tout ce que j'ai perdu. C'est pas grave, j'ai juste perdu tous mes levels. Et bon, alors les Enderman, là, ce que je viens de taper. Alors normalement, ça faut s'y prendre, avec une bonne armure, une bonne épée, et bien sûr, toujours leur taper dans les pieds. Ne jamais croiser le regard, sinon vous êtes transformé en pierre. C'était un message à titre informatif. Tu vas cramer, toi, ouais. Bon. On va replanter un arbre. D'abord, on va ranger ça. Tac. 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 Tac, tac. Tac. La terre. L'œuf, on le range là. Le mouton, on le met là. On va aller faire cuire la viande que j'ai. Hop. Il me cherche, lui-là. Putain, il m'en bousille du truc, lui. Au barque, tant mieux. Parce que j'avais pas encore fait mes défenses. Tant mieux. Une pousse d'arbre. Hop. Et hop. Et tiens, on va en planter un là aussi. Alors, on va créer déjà un nombre d'échelles suffisantes. On peut en prendre que 6, bon bah c'est pas grave. Hein. Et on va creuser. Ah bien sûr, attendez, il me faut vérifier si j'ai mes torches, c'est bon. Parce qu'il va falloir de la lumière au fond de ce trou. Alors, donc vous voyez, et ensuite vous faites, excusez-moi, palier par palier. Vous faites palier par palier, comme ça. Donc là on est à 2. Voilà, et là on va commencer à atteindre les couches rocheuses, donc on a besoin de pioches. Donc là j'arrive au quatrième palier.
Et tous les 5 paliers, moi je mets une torche tous les 5 paliers, histoire de me dire que voilà, je suis pas. Donc là je suis au quatrième. Cinquième. Et là je vais mettre une torche. Alors par contre, il faut faire super gaffe quand on fait ça. Parce que c'est une très bonne technique c'est une très très bonne technique pour faire sa mine. Faut juste faire super attention, ne jamais, mais surtout ne jamais creuser sous ses pieds. Parce que s'il y a un fossé sous vos pieds, vous tombez, vous mourrez. Donc ne jamais creuser sous ses pieds. Tu as bien retenu la leçon? Voilà, alors hop. Comme je peux pas encore refaire d'échelle parce qu'il m'en reste qu'une seule. Ah bah c'est bon, lui il est déjà arrivé. J'ai plus de hache moi. Ah si, elle est là. Va falloir que j'en fabrique une hache en pierre. Va falloir que je refabrique une hache en pierre. Voilà, on va même en fabriquer deux. Comme ça, quand celle en bois va être morte. Ah bah comme ça, tout de suite en fait, hop là, on passe à une hache en pierre. Bon, c'était un petit arbre. Allez, souffle. Alors. Voilà, là on en a 16, on va pouvoir continuer à descendre. Alors bien sûr, hein, prenez l'échelle pour descendre, un conseil. Et même, attendez, je suis en train de me poser une question, si je fais pas une bêtise, on va aller encore plus vite. Vous allez voir pourquoi. On va creuser comme ça. Je vous ai dit, ne jamais creuser sous ses pieds. Eh ben regardez, je fais ça. Je me fais un palier de sécurité. Je creuse. Je ne peux plus creuser. Je redescends. Ah bien sûr, tous les deux paliers de sécurité. Donc là, je me refais un palier de sécurité opposé. Je mets une torche. Voilà. Ah oui, mais attendez. Je peux pas faire le palier ici. Parce que ici, c'est là où vont les échelles. Hop, 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 hop. Donc le palier de sécurité, je vais le faire là. Voilà, une torche. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Et on continue de descendre comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Palier de sécurité. 1, 2, 3. Voilà. Vous voyez, là, on arrive déjà du gravier. Donc, ça veut dire qu'en dessous, il y a peut-être un creux. Palier de sécurité. On remet les échelles. Ah, celle-là, non, pas bonne. Tu veux bien te mettre dans l'alignement, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et alors là, pour le gravier. Ah bah il n'y en avait qu'un. Palier de sécurité. J'ai mis une lampiote ici, je sais même plus. Voilà, comme ça on descend beaucoup plus vite. C'est quel côté que je mets les lampiotes moi? Ouais, c'est de ce côté-là. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je mette une lampiote. Voilà, ici. Et puis c'est tout. Quoique je peux en mettre une ici aussi. Ça va faire plus classe quand on monte comme ça d'avoir des petites lampiotes droite-gauche. Et vous voyez, comme ça va être beaucoup plus rapide de descendre. Ouais, ça va être beaucoup plus rapide de descendre. Ici, je prévois autre chose. Ce que j'ai commencé à creuser, je prévois autre chose. Donc on change tout à fait. Vous allez me dire, oui, mais Finen, tu te maintiens pas à ce que tu as dit au début. Ouais, je sais. Mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo.
Voilà. Du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Ça va nous faire des échelles. Alors vous allez me dire, oui, mais finalement, ta maison n'est pas finie. C'est pas grave. L'avantage, c'est d'avoir d'abord... Ah! Heureusement que j'ai pas creusé. Vous voyez, si j'étais tombé tout en bas, là, de cette hauteur-là, bah, je sais, je serais mort. Des échelles. Palier de sécurité. Allez, c'est parti. Palier de sécurité. Alors c'est un peu long, un peu fastueux, fastidieux. Vous voyez, je suis déjà à 46. Ah bah. Vous voyez, là maintenant on est passé à 43. Donc c'est un petit peu long, effectivement. Mais... Et voilà, c'est sécurisé. Ah! Alors après, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui jouent déjà Minecraft, vous avez peut-être des techniques mieux que la mienne. Hein, que je vous accorde, qui peut... Moi, je me dis pas comme un pro de Minecraft, hein, attention. Hein, mais voilà. Je veux vous faire voir ça au moins aujourd'hui sur cette vidéo. Donc on a construit de la protection en haut, vite fait, une petite maison rapidos. Mais je veux au moins vous faire voir pour la mine opti aujourd'hui. Ah. Voilà. Alors. Vous voyez, il commence vraiment à faire sombre. Hein. Plus on descend, plus il fait sombre. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, on est à combien là? Là, on est à 31. Ça va être un peu long. Hein, encore une dizaine de fois à faire l'aller-retour avec les petits machins. Mais une fois que ce sera fait, on ne pourra pas dire que ce ne sera pas fait. Alors, là, vous voyez, j'ai risqué mon coup, j'ai sauté alors que j'avais pas fini de pelleter. Si jamais en dessous il y avait un trou, bah j'étais bon pour... Ah ! 1, 2, 3. 1, 2. Alors toujours aussi faire gaffe au gravier, hein, quand vous avez du gravier au-dessus de vous, cassez-vous, ne le piochez pas, il va vous tomber sur la gueule, ça va être un truc de malade. Ah, vous voyez déjà là, on commence à arriver au fer, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors celui-ci, je ne vais pas le récupérer, hein, il n'est pas dans la zone que je recherche, donc je ne vais pas récupérer ce fer-là. Et vous voyez là, tout le gravier, ça va. Là, tout le gravier va. Donc là, je sais qu'en dessous, il n'y a rien. Hop. Hop. Voilà. Je vous apprends une petite technique avec le gravier qui est rigolote. Regardez, je pioche ici. Je fais une torche.
Regardez bien. Et on dit merci à la torche qui m'a servi de pelle ou de pioche et qui a donc fait que tout le gravier soit cassé. Voilà. On essaie de faire ça, les choses bien du premier coup, hein, que ça soit joli. Donc là, je suis à combien là? Je suis à 16. Et il me reste que 4. Donc on va remonter, chercher du bois. Comme ça, on va finir. On est bientôt arrivé. Il nous reste qu'une dizaine de cases à faire pour arriver jusqu'à 6. Et on va pouvoir commencer à faire la mine optimisée. Je vais vous faire voir comment faire ce fameux couloir et ces fameux... ce fameux couloir, donc, et ces fameux latéraux. Bien sûr, il faut faire gaffe hein, quand on fait ça et qu'on joue, comme moi, en mode non créatif, mais survie et en mode normal avec les monstres. Je vous dis tout de suite, faites attention. Faites extrêmement attention parce que vous pouvez croiser des monstres aussi dans les sous-sols. Hein. Oh là. Qui m'a tapé là? Oh là là, mon dieu, un squelette. Ok. Bon, bah, on va pas aller chercher du bois tout de suite. Ce bois-là. Celui-là, on peut le récupérer. Oh mon dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? My god, il y a un creeper qui a pété là ou quoi? Ah non, c'est moi comme un con qui ai pété la pierre qui était ici, je parie. Ah non, non, il y a un creeper qui a bien pété ici. Hein. Et ben, on va réparer ça. Je vais en profiter d'être ici. Ah, me dites pas que le squelette il est parti au fond de mon trou, ce serait carrément con quoi. Cela, si j'ai un squelette tout au fond, ça va être chiant pour le. Si le squelette est là-bas au fond. Le squelette est là. Oh la vache! Oh l'enfoiré, vous avez vu ce qu'il m'a fait? Il m'a tiré dessus du fond. Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire? Est-ce que j'aurai un truc à lui balancer dans la gueule? Voilà, on répare vite fait. Là, c'est enfer et damnation, là. Enfer et damnation. Il a l'air de plus être là, le squelette. Si, il est encore là. Non, il est plus là. Il est plus là. Il a disparu, le squelette. C'est bon. Donc, c'est pas grave. J'ai prévu autre chose. On est à combien ici? On est à 16, il faut qu'on descende à 6, donc de 10, j'en ai 4, ok d'accord. Donc, 1, 2, 3, 1, 2,
Rare. 2. 3. Donc là, on descend. Oh, de l'or. Il est l'or, monseigneur. Et là, je suis à moins 10. Donc, vous voyez, là, on arrive déjà dans les zones que je vous parlais tout à l'heure. Les fameuses zones où il y a les trucs précieux. Et là, vous allez me dire, oui, mais Finen, comment vas-tu faire pour remonter? Non, alors voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc. Normalement, je récupère rien, étant donné que c'est une hache en pierre et non en fer. Donc là, je suis à 10, 9, 8, 7, 6. Voilà, là, je suis normalement à mon point de départ. Voilà, 6. Alors, ça fait comme ça, on est d'accord. Donc 6, donc là. 1, 2, 3, 4 en hauteur, comme je vous ai dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On va quand même mettre une petite torchette ici et ici. Enfin, on va mettre une petite torche ici et on va recommencer. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, on a notre zone de départ. Et ensuite, on va refaire quand même 1, 2, 3, 4, parce que là, faut que je fasse des... je vais falloir que je fasse quelque chose. Que je fais de pas d'habitude, parce que j'ai assez de bois. Et là, j'ai même pas assez de bois pour faire un atelier. C'est pas grave. Et ensuite, donc, vous voyez, on fait 1. Donc, sur 4 de hauteur, bien sûr. 2. Et 3. Et on fait pareil de l'autre côté. 1. Sur 4 de hauteur, toujours pareil. 2. Et 3. Et là, vous placez une torche ici. Une torche ici. Une torche ici. Une torche ici. Vous pouvez virer celle-là. Ça, c'est éclairé. Et là, vous avez donc votre mur de départ. Vous voyez donc, vous avez la longueur de départ et la hauteur de départ pour faire une mine optimisée. Et là, maintenant, ce que vous faites, bien sûr... vous prenez une pioche et vous avancez, voilà, comme ça. Alors c'est long, je vous l'accorde, au début c'est un peu long. Bon, après ça facilite quand vous avez des pioches enchantées avec efficacité 4 et tout ça. Mais là vous êtes sûr d'être, vous voyez, je suis à 6, 7, 8, 9, 10 et au-dessus 11. Il faut savoir que le 11 vous allez le voir quand même, parce que le 11 ça va être votre plafond, donc vous allez toujours le voir, le monstre. Et là, vous avancez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avancez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pioche et qu'il faut remonter pour en reconstruire. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir vous faire voir la méthode des... donc des couloirs latéraux. Alors ce qu'il faut faire, regardez, on va encore en faire un, voilà. Ça va être plus facile sur 4 de vous faire voir ça. Ça va être plus facile. Ah, du fer, ça c'est bien ça. Avec le fer, on va pouvoir construire des pioches en fer qui sont beaucoup plus efficaces et résistantes que ces malheureuses pioches en pierre que j'ai sur moi. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends Mathieu, il va te falloir un atelier. Bah ouais, mais l'atelier, j'ai pas assez de bois. Mais on va quand même prendre le fer déjà. Parce que quand on va monter là-haut, on va avoir de quoi faire fondre le fer en lingots et pour pouvoir faire des pioches en fer. Alors, je vous explique maintenant les latéraux. On va commencer par celui-ci. Vous voyez, on fait comme ça. Voilà, tac, tac. Ensuite, vous écartez d'un tac, tac. Et voilà ce que vous faites. Au fur et à mesure que vous avancez, dans votre grand couloir, que j'ai dit d'à peu près 20 ou 30, ou même 40 blocs d'avance, vous faites ça. Donc là, on continue à faire le couloir. Et hop, et vous voyez, là, j'ai fait en haut. Donc là, boum, je fais en bas. Et ces fameux couloirs, vous avancez donc comme ça, de deux cases sur deux. Vous avancez. Vous voyez là déjà, je croise du charbon, ce qui est plutôt pas mal.
Mais ça, le charbon, vous le récupérez au retour, ça, en fait. Tout ça, vous le récupérez au retour. Vous le laissez. Et vous avancez, comme ça, paf, paf, jusqu'à ce que vous rencontrez de la lave. Et c'est plutôt pas mal. De la lave. Ah, voilà. Vous voyez, là, j'ai rencontré la lave. Bon, alors là, c'est de la lave au pied, donc je vais peut-être pouvoir la boucher. Voilà. Mais faut pas que la lave atterrisse devant vous, en fait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avancez comme ça. Je n'ai plus de pioche. Est-ce que j'ai de quoi faire? Non. Il faut que je remonte. Et ainsi de suite. Vous avancez comme ça jusqu'à ce que vous rencontrez de la lave devant vous. Ah, attendez. On va se dépêcher d'aller récupérer du bois, vu qu'il fait jour, pour finir de faire les échelles. Et voilà. Et comme on a du fer, on va pouvoir faire un seau d'eau. Et on va pouvoir faire des haches. Enfin, des pioches en fer. Il faut que je vous explique aussi ma méthode de descente. Déjà, avant d'aller récupérer le bois, tac. Tac. On fait fondre le fer. Attendez, je fais mes... Voilà. Là-bas, il y en a. On va le couper. Je sautais, je sais pas pourquoi je continue à sauter. J'avais envie de sauter. Voilà, du cochon. Peu de viande quand même, hein, parce qu'il va nous falloir beaucoup de viande, beaucoup de nourriture sur ce serveur, hein. Hop. Voilà, donc là, on récupère le fer. On va mettre à cuire la viande de porc qui est ici. Voilà. Ah, on fait 9 échelles. On crée un établi pour en bas. Et parce que c'est mieux d'avoir un établi en bas là. C'est beaucoup mieux d'avoir un établi en bas. Ça nous évite de monter et descendre, monter et descendre. Vous faites exactement ce que vous avez en haut pour la surface, vous le faites en bas, dans votre mine. C'est-à-dire four, coffre et établi. Ah ouais, par contre là, j'ai pas géré, j'ai pas fait. Je vais faire mon établi ici, c'est pas grave. On va le retirer après l'établi, de toute façon c'est pas grave. Tac. L'établi, de toute façon, on s'en fout, on le récupère. Alors attends, c'est plus facile que la hache. Et voilà. Et là, ça va beaucoup plus vite, comme vous pouvez le constater, avec une pioche en fer. Tac, tac. Et on peut continuer donc comme ça à creuser cette fameuse. Voilà, vous voyez, il y avait juste deux carrés, donc ça on les remplit, hein, on s'en fiche un petit peu. Quand c'est comme ça, voilà, on met de la pierre dessus et on est tranquille. Et on avance jusqu'à ce qu'on rencontre de la lave. Et puis on va voir dans ce premier couloir ce que nous allons trouver. Un conseil, toujours creuser celui du haut avant celui du bas. Si la lave tombe, comme ça vous avez le temps de creuser un creux en bas pour pouvoir faire arrêter la lave et pouvoir continuer à avancer tranquille. Du charbon, toujours du charbon pour l'instant.
toujours celui du Wavre. Ah, du minerai de redstone. Ça commence à être intéressant. Pour les circuits électroniques plus tard, quand on fera les trappes, les machins, tout ça sera dans de prochaines vidéos. Alors bien sûr, hein, si il est sur votre chemin, vous récupérez le matériau. Hein. À savoir, sauf que là, il va falloir que je revienne. Je vais installer mon établi. Mon four. Voilà. Et il va falloir que je remonte là-haut, vider des choses inutiles dans la mine, dans le coffre. Donc on va remonter vite fait là-haut. Mettre les choses qui ne nous servent pas dans le coffre là-haut. Et ensuite on va redescendre pour faire le minage. C'est un peu long, ouais, je sais. Donc dans ce coffre, on va mettre les œufs, pommes, silex, graines, pousses. Pousses, on va les mettre là. Vitres, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Portes, on n'a plus besoin. Ça, on n'a pas besoin. La terre, on en a besoin. Os, on n'en a pas besoin. Dalle en chaîne, on n'en a pas besoin encore. Et puis voilà. Et on va les mettre les pousses d'arbres. Alors attendez. Tac. Tac. Ah oui, ça, on n'en a pas besoin. Corde, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Les pousses d'arbres, on va les garder. Ça, on en a besoin là. Ça, on a besoin là. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, ouais, ça, on va garder là. Ça, on va mettre ça là. Ça là. On va ranger ça. Ça. On va essayer de ranger au maximum le coffre tout de suite, comme ça, en fait, on va être tranquille. On aura un coffre tout beau, tout propre. Par contre, cette hache-là, on peut la mettre là. Cette hache-là, on peut la mettre là. Quoique non, celle-là, on va la garder. Le fer, on va le ranger là. La bouffe, on va la mettre là. Le bois, on va le mettre là. Voilà. Ça, c'est déjà un minimum à ranger. On va se dépêcher vite fait de mettre des pousses. Voilà. On a mis des pousses d'arbres. On en a mis 4. On va en mettre un cinquième ici. Un ici. Un ici. Un ici. On va tous les planter comme ça au moins. On est sûr que quand on va remonter de la mine, on va avoir des arbres. On va pouvoir récupérer du bois. Voilà. On ferme pour éviter que les monstres y rentrent. Alors normalement, vous voyez, tout en bas d'escalier là, ce que je fais, je creuse sur deux longueurs, je mets de l'eau et je saute directement dans mes petites flaques d'eau afin de descendre beaucoup plus facilement dans ma mine. Voilà, donc on arrive à la mine. Et on peut plus facilement. Ah, alors attendez, j'ai pas pris beaucoup de bouffe sur moi. Voilà. Mais on va marcher, on va pas courir, ça sert à rien. Sinon, on va utiliser la bouffe pour rien. Et donc, on en était à toujours à côté. Voilà. Voilà. On en était, vous voyez, on avance. Alors, on récupère bien sûr les ressources que l'on est obligé de creuser, et les autres, on les récupérera au retour. Bon, j'espère qu'on va peut-être tomber sur du diamant direct tout de suite, hein, mais parfois, non, il faut attendre. Ah bah tenez, vous voyez, en voilà du diamant. Fallait que j'en parle, en voilà du diamant. Donc le diamant, on va le laisser. Lui, par contre, on va le laisser. Et seulement quand j'aurai une pioche avec.
avec... Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui multiplie en fait les ressources. Et ben, on viendra le rechercher. Donc on continue d'avancer. Alors ça peut aller très très loin, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, on va s'arrêter là. Et vous voyez en fait, au retour, quand on revient, hop, là il y a du minerai. On récupère. Et là vous récupérez tout ce qui est tout ce que vous croisez. Vous le récupérez. Vous laissez à l'abandon. Après, ça sert à rien de reboucher les trous. Hein. Personnellement, je vous dis tout de suite, ça sert strictement à rien de reboucher les trous. Mais vous récupérez tout. Vous fouillez, vous regardez bien partout que vous avez bien tout pris. Vous voyez, et là, hop, boum! Qu'est-ce qu'on récupère en plus? De la redstone. Voilà. Là, il n'y en a plus. On la récupère encore là. Alors ça, la redstone, c'est très important. Et je vous apprendrai dans une prochaine vidéo à toutes les personnes qui ne savent pas utiliser la redstone. Je vous apprendrai comment faire des trappes secrètes, des circuits de redstone, des portes automatiques, des trucs comme ça en fait. Vous voyez donc ici la fameuse pierre noire, ici, hein, qui s'appelle je ne sais plus comment, qui est donc la pierre noire que je vous parlais tout à l'heure, en début de vidéo, quand je vous expliquais pendant la pause comment faire une mine optique, c'est cette fameuse pierre noire là. Voilà. Et là, vous voyez, on récupère pas mal de charbon. Donc, pour le four, c'est plutôt pas mal. Plus vous avez de charbon, mieux c'est. Pour vos fours, je peux vous dire une chose. Le charbon, il en faut. Et là, vous allez me dire, oui, mais attends, tu creuses, tu te diriges vers là où tu vas. Oui, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, quand je vais aller dans le prochain tunnel qui se trouve là, donc juste au-dessus, si je calcule bien, donc hop, qui se trouve juste là au-dessus de mes pieds. Et bah c'est pas grave, je mettrai ici, au fur et à mesure, j'avancerai, je mettrai des pierres afin de me façonner des petits ponts. Voilà, on finit de récupérer. Et donc là, bon, celle-ci, on va la laisser ouverte, cette mine, parce qu'il y a des diamants au bout à aller récupérer. Mais je vais vous faire voir normalement comment je fais. Pour ça, c'est du lapis-lazuli, donc on le prend. Ça, le lapis-lazuli, on en a besoin. C'est pour les enchantements. On va en avoir besoin. Parce que maintenant, les enchantements se payent. Avant, au début, ne se payaient pas. Et maintenant, nous avons besoin de lapis-lazuli pour les enchantes. Voilà. Bravo, on a perdu un peu de lapis. Et ensuite, bon, bah, bien sûr, les torches, normalement, on les récupère en même temps, mais là, je vais pas, je vais les laisser parce que, voilà, il y a le fameux diamant. Et normalement, voilà, donc, vous voyez, normalement, quand c'est terminé, moi, ce que je fais, je rebouche, mais à une case d'intervalle, comme ça, boum, comme ça, je sais qu'ici, ça a été fait, et je mets une torche comme ça. Comme ça, ça me dit, ici, il n'y a plus besoin d'y aller. Mais bon, là, on va rouvrir. Voilà. Et c'est comme ça, et ensuite ici, donc je mets, souvent je mets un bloc, pas comme ça, mais je mets un bloc, je monte, et je réitère l'opération. Et voilà, et je réitère l'opération, jusqu'à ce que bah, j'arrive au bout, à la lave, ou autre, voilà. Voilà, voilà, donc... On va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Minecraft qui, je pense, a été bien assez longue. Hein. Je suis mort pas mal de fois. Je vous ai expliqué, je voulais vous expliquer comment faire une mine optimisée dans cette vidéo.
Et bien sûr, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment faire d'autres choses et tout. Je ne jouerai toujours sur ce même serveur en survie, donc avec les monstres, ce qui est plus intéressant. Et puis voilà, donc si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, bah, je vous en remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à vous d'être présents. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes. Un petit pouce rouge aussi, hein, ça prend 2 secondes. Si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'aimer mes vidéos. Hein, vous pouvez les mettre aussi. Un petit commentaire également afin de me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo, c'est pas mal aussi. Et puis un petit partage sur vos réseaux sociaux, c'est pas mal aussi, ça prend 2 clics. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous également encore une bonne année pour ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur Minecraft ou peut-être sur autre chose. Ciao !